Hello les petits chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, on a appris que Nathaniel avait pas forcément été très sympa avec sa sœur jeune, voire il l'avait un petit peu traumatisé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, elle se vengeait aussi et puis elle était un peu plus fermée, alors que là, c'est vrai qu'il fait petit ange, hein, et que Castiel était intervenu et c'est pour ça que Ambre était secrètement amoureuse de Castiel et qu'elle n'avait pas oublié ce qu'il avait fait pour elle. Voilà un petit peu ce qui s'était passé dans la fin du dernier épisode. Et là, passe à la suite, à l'épisode 8, la course aux révisions. C'est bientôt les vacances, mais tu avais oublié les examens. Entre les cours que tu ne retrouves plus, l'agitation des élèves, trouves-tu le temps de réviser correctement? Réussiras-tu le test? Ce sera peut-être aussi l'occasion de jouer un tour à Ambre. J'avoue que là, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment révisé, on a plutôt aidé un peu tout le monde. Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grands pas. Ah, c'est une course d'orientation. Quoi? Pourquoi est-ce que le lycée prépare quelque chose comme ça? La course va être accessible même aux personnes extérieures au lycée. Et comme leur participation sera payante, cela va permettre de récolter des fonds pour autre chose. Oh, tu es horrible! Tu pourrais m'en dire un peu plus? Je t'ai déjà parlé de la course, c'est déjà pas mal je trouve. Et puis j'aimerais bien me dire que tu vas passer toutes tes vacances à imaginer ce qui va se passer ensuite. Ça ne m'amuse pas moi. Hein? Les vacances? Bon sang, c'est vrai que c'est les vacances demain. Tu avais oublié hein? Non, pas du tout. Si, un peu en fait. Tu es quand même très tête en l'air, les vacances enfin, aucun élève normal n'oublie ça. Y a pas mal de choses ces derniers temps, je me suis même pas concentrée sur les cours. Ah oui, les cours! Ça me fait penser qu'il faut que je commence à réviser. Il sera temps. Réviser? Pourquoi? Elle est déjà partie. Je ne sais pas si elle a parlé de la course d'orientation à tout le monde, mais j'ai bien envie d'en parler avec les autres élèves, pour voir ce qu'ils en pensent. Ils en ont peut-être déjà fait. Salut Kim, j'ai un scoop. Le lycée va bientôt organiser une course d'orientation. Ah ouais? C'est cool comme idée. Ça c'est un truc qui me plaît. C'est pour quand? Je ne sais pas encore, mais pour bientôt normalement. Oh, vraiment cool. C'est pas que tes infos m'intéressent pas, mais je te laisse. Faut que j'enlève mes cours là. Ok, à plus tard alors. J'ai appris quelque chose. Le lycée va organiser une course d'orientation. Une course? Oh, non, je n'aime pas le sport. Pourtant c'est amusant. Je ne trouve pas du tout. Les tenues de sport sont toutes affreuses. C'est juste pour ça. Tu pourras me laisser tranquille maintenant. Je révise. Ok, y'a que nous qui révisons pas comme d'hab. Alors, t'as réussi à la convaincre, Peggy, de t'aider? Oui. J'ai pu poser mes questions à Nathaniel. Tu vois, je t'avais dit qu'elle t'aiderait si tu lui expliquais la situation. J'ai quand même dû insister. Elle m'a appris quelque chose en tout cas. Le lycée va organiser une course d'orientation. C'est vrai, j'avais entendu Peggy parler d'un grand événement. Je ne pensais pas du tout que ce serait ça. D'après ce qu'elle a dit, il y aura autre chose encore. C'est juste un moyen de récolter les fonds. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je me demande ce que ce sera à l'autre événement. Ah, moi aussi. Tu ne devineras jamais. Quoi? Et c'est quand même de dîner. Non, allez, accouche. Le lycée va organiser une course d'orientation. Ah ouais, t'essaierais pas de te perdre? J'ai pas envie d'aller, de devoir aller te chercher. Moi, j'aimerais bien que tu viennes me chercher. Parle pour toi. Moi, je n'ai aucun souci à me faire. Je n'irai peut-être même pas à cette course idiote. C'est vrai? Pourquoi? Je suis sûre que ce sera génial. J'ai dit peut-être. Je verrai une fois le moment venu. Rah. En plus, j'ai aucun sens dans l'orientation, donc pour le coup, j'aimerais bien que quelqu'un vienne me chercher. Dis, Feraji, tu pourrais me prêter des notes pour le cours de Monsieur Farez? Oui, si tu veux, pourquoi? Je sais plus ce que j'ai fait des miennes. J'ai farfouillé dans mon sac pour retrouver mes cours. N'oublie pas de me les rendre. Oui, t'inquiète pas, merci. Je viens d'apprendre quelque chose de super. Encore des informations sur moi? Mais non, non, rien à voir avec toi. En fait, le lycée va organiser une course d'orientation. Vraiment? Oui, pour récolter des fonds, je crois. Content de l'apprendre, ce sera l'occasion de se voir dans un autre contexte. Oui, si tu veux. Elle est en train de gribouiller des petits dessins sur ses notes. Je viens d'apprendre une super nouvelle. D'après Peggy, il va y avoir une course d'orientation au lycée. Peggy ne devrait pas fouiner partout comme elle le fait. C'était censé être une surprise. J'espère que tu n'en as pas trop parlé à tout le monde. Mince, je t'ai croisé un peu trop tard. Plusieurs personnes sont au courant maintenant. De toute façon, si tu ne l'avais pas fait, c'est Peggy qui l'aurait raconté. Dommage, les professeurs avaient demandé à tous les délégués de garder ça pour nous. En tout cas, c'est génial, j'ai hâte d'y participer. Content que ça te plaise, les votes étaient serrés lorsque nous avons dû faire un choix, mais c'est la course qui l'a remporté. En tout cas, c'est une idée originale. Oui, c'est sûr. Peut-être un peu trop original, quelque chose d'un peu plus classique m'aurait plu. Ah ouais? Moi j'aime beaucoup cette idée-là. Tu as autre chose à me demander? Parce que je suis en pleine révision. Toi aussi, vous vous êtes tous donné le mot à ma parole. Normal, puisque les examens sont demain. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Après tout, c'est toi qui les as récupérés. Mince, j'avais complètement oublié. Il ferait mieux de commencer à réviser. Oui! Mince, il faut que je m'y mette moi aussi. Allez, en révision.
vous êtes encore là, rentrez chez vous si vous n'avez plus cours, mademoiselle. J'accepte que les élèves pour les révisions, pas pour errer dans le lycée. Oui, madame. Tant pis, je réviserai chez moi. Je suis revenue au lycée le lendemain avec une boule au ventre. Les examens sont cet après-midi. Il faut que je trouve Iris pour lui reprendre mes cours. Comme je lui ai prêté, je n'ai rien pu réviser. Iris! Tu aurais pas pu, Iris, je la cherche. Non, mais je peux te dire, ouais, Ambre. Laisse tomber. Alors, prête pour les examens? Ouais, si on veut. Respire, c'est qu'un examen de fin de trimestre. Si tu te plantes, c'est pas la fin du monde. Ouais, mais je veux pas me planter! Fallait réviser plus tôt, alors. Pas de ma faute si j'avais oublié. Flûte! Tu n'auras pas vu Iris, je la cherche. T'es toujours en train de chercher quelqu'un, ma parole. Non, je l'ai pas vue. Elle doit être dans une salle de classe à réviser aussi. Bon, bah, si jamais tu la vois, dis-lui que je la cherche, c'est urgent. Tu me payes combien? J'ai pas de liquide sur moi, désolée. Tu peux toujours payer en nature. Même pas en rêve, petit coquinou. Tiens, tu tombes bien. Ça va, tu as bien dormi, tu es en pleine forme. Ouais, tu es malade? Non, pas du tout. J'ai le droit de demander à mes camarades de classe comment elle va. Ça me paraît louche tout ça, qu'est-ce que tu veux? Tu as vu les examens, n'est-ce pas? Quand tu les as rendus à mon frère, tu les as regardés, non? Tu te souviens des réponses? Non, je les ai pas regardés, je suis pas comme toi. Je les ai pas regardés non plus, personne n'était censé les retrouver. On ne peut pas dire que tu les avais très bien cachés pourtant. Je pensais que tu allais enfin pouvoir me servir à quelque chose. Allez, pousse-toi! Il faut que je trouve un moyen de réussir mon examen. Si tu apprenais tes leçons, ça ne serait pas plus simple? Mais je n'ai pas eu le temps. Plutôt que tu avais la flemme. Ouh! Petit chéchaminou. Tous les élèves surpris en train de tricher seront renvoyés. Vous êtes prévenus! Dit-elle avec le sourire. C'est bon, on va pas tricher non plus. Elles sont en train de parler d'un moyen de tricher. Hé, on t'a jamais dit de ne pas écouter les conversations des autres? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Salut Ferragie! Salut Iris, dis-tu à mes cours avec toi? Oui, bien sûr. C'était très gentil de ta part de me les prêter. Les autres avaient gardé les leurs pour réviser. Je les aurais gardés aussi si je m'étais souvenu des examens. Tiens, les voilà, encore merci. Elle m'a rendu mes cours. Je vais chercher un endroit au calme pour réviser avec tout ça. Je pense qu'on va aller dehors. Pousse-toi, tu gênes le passage. Mais bien sûr, princesse. Te moque pas de moi, dégage. Il m'a poussée pour qu'elle puisse passer. Comme si le couloir n'était pas assez grand pour qu'elle passe. Allez, on va se trouver un petit coin. Tu t'es mis à réviser? Non, ça se voit pas. Tu devrais t'y mettre quand même. Pas besoin de réviser. Par contre, je pensais qu'à cette heure-là, toi, tu serais le nez dans tes bouquins. Je cherche un endroit tranquille pour le faire. T'as pas un bon endroit alors? J'avais remarqué. Allez, fais pas cette tête. Même sans être calme, tu peux travailler. Bah... ou pas. Salut, Ferragie. Salut. Tu dessines? Non, je révise. Pourtant, tu es en train de dessiner là. J'essaie de me rappeler de ce que je dessinais en cours lorsque le professeur parlait. Tu dessines pendant les cours? J'ai beaucoup de mal à me concentrer. C'est pas une excuse, ça. Mince, décidément, il y a toujours quelqu'un où que j'aille. Moi aussi, je suis contente de te voir, c'est un réel plaisir. J'en ai marre, d'habitude j'ai du mal à croiser quelqu'un. Là, tout le monde me coupe et est aux endroits où je veux aller. T'es jamais contente, hein? Si, mais j'aimerais pouvoir réviser au calme. Bah ici, c'est pas la peine. Tu voudrais pas t'en aller, que j'ai de la place? Non, j'aime bien te voir galérer, t'es marrante. Quel gros relou! Hé, hey, merci de m'avoir prêté les cours. Pas de quoi, excuse-moi, tu comptes rester ici? Oui, j'aime bien être au gymnase pour relire mes cours. Pourquoi? Mince, moi aussi j'aurais bien trouvé un endroit pour réviser. Je pense que tout le monde est dans le même cas. Dès que j'ai terminé, je te laisse la place. Comme si on pouvait pas se mettre à plusieurs à côté pour réviser. Un lit, il lit un magazine. Encore, ce n'est pas ici que je vais pouvoir réviser. Je ne vais quand même pas réviser dans le couloir. Tu ne t'arrêtes jamais de travailler? Non, je ne suis pas en train de lire mes cours, je lis un livre. Ah oui? J'ai tellement l'habitude de devoir étudier. C'est vrai. Quel genre de livre? Oui, je suis curieuse. Un roman policier. Je lis beaucoup de romans policiers. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on va dans son sens et qu'on aime les romans policiers ou pas du tout? C'est intéressant, le roman policier, mais il y a plein d'autres genres. Mais je sais pas si on va le vexer si on lui dit ça. Allez, tu lis rien d'autre? Je sais, mais c'est le genre de livre que je préfère. J'adore essayer de savoir qui est le coupable avant la fin du livre. Pas mal. C'est vrai que découvrir petit à petit comment un crime a été commis, c'était génial. N'est-ce pas? Ou ça fait un peu la meurtrière, mais bon. Je pourrais retourner voir les garçons, l'un d'eux me laissera peut-être sa place. Allez, lâche ton magazine, toi. T'es forte en sciences? Je me débrouille, pourquoi? Je ne suis pas douée du tout, moi. C'est le cas avec toutes les matières. J'aimerais bien être comme Nathaniel. Lui, il n'a aucun problème. Bah, c'est parce qu'il travaille dur aussi, hein. C'est vrai, il faut que je fasse pareil. Pousse-toi avec ton magazine, toi. Tu relis pas tes cours, toi? Si, si, mais je cherche un endroit pour le faire. Et apparemment, dehors, c'est cuit. On va essayer d'aller dans le couloir tout là-bas. Ici, c'est calme. Et apparemment, je peux pas réviser là. Au fait, je l'ai pas demandé, mais la Mélodie, elle m'en a pas voulu de pas être venue chez elle l'autre coup. Non, pas du tout. En fait, on n'en a pas parlé. Ah, ça va. C'est que ça a pas dû la traumatiser. Bah non. En même temps, on était nombreuses. Et il s'en est passé des choses. Qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à présent, je cherchais mon carnet. Je l'avais encore perdu. Et maintenant? Je vais commencer mes révisions. Tu n'avais pas encore révisé? Si, j'ai pu le faire hier soir, mais relire un peu ses cours ne fait pas de mal. On est dans le même cas alors. C'est vrai que tu avais oublié toi aussi. Et oui, totalement oublié.
Tu lis toujours ? Non, je cherche un livre qui pourrait te plaire, mais j'ai du mal à trouver vu que tu n'es pas susceptible d'avoir déjà lu. Oh, c'est vraiment gentil. Pas de quoi. Je te donnerai mon livre préféré si jamais tu ne l'as pas encore lu. Il faut juste que je retrouve l'exemplaire qui est à la bibliothèque. C'est lequel ? Tu verras bien. Purée, j'ai jamais été autant... En fait, il est facile, lui. Enfin, on a du mal à... Enfin, on a des facilités à le comprendre. Je suis à 99%, j'ai l'impression de faire aucun effort. Elle fait le tri dans les feuilles de classeur volante. Tu m'étonnes qu'elle ne s'y retrouve pas. Violette ? Violette ? Je crois que c'était un lapin. Je pense que ça sert à rien d'insister. Elle ne m'a même pas remarqué. Tu es toujours là ? De toute évidence, oui. Quand tu auras fini, n'hésite pas à me le dire. Je n'y manquerai pas. Je désespère. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne trouve vraiment aucun endroit pour réviser. Tu peux réviser ici si tu veux. J'ai terminé mes révisions. Oh, c'est vrai ! Super ! Merci beaucoup, Nathaniel. Pas de soucis. Je sais ce que c'est d'avoir besoin d'être calme pour réviser. Je me doute, merci encore. Oh, enfin tranquille. Alors, voyons voir ses cours. J'ai relu mes cours en long, en large et en travers. Maintenant, je vais aller au magasin chercher quelque chose à manger pendant les examens. Je ne sais pas combien de temps ils vont durer et j'ai du mal à me concentrer l'estomac vide. Eh ben, c'était pas facile, hein. Allez, on a pris un petit quelque chose à manger, on y retourne. Voilà, j'ai de quoi manger maintenant. Il y a autre chose que j'aimerais faire. Oh, ça tombe bien, j'avais oublié de prendre quelque chose à manger. Bon sang, elle est toujours là quand il faut pas. Donne-moi ça. Ne pas manger, ne te fera pas de mal. Rêve pas, t'auras pas ma part. Va t'en acheter un toi-même. Je te demandais pas ton avis. Hé ! Elles se sont mises à trois pour me voler ce que je venais d'acheter. Merci beaucoup. Reviens, ici. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Elles sont parties vers la cage d'escalier. Ah non, ce coup-ci je ne me laisserai pas faire. Elles sont là, ces espèces de... Tu es sûre que ça va ? Marcher, Charlotte ? Ils ne verront rien ? Elles ne m'ont pas remarqué. Certaines. Des bouts de papier dans la trousse, c'est trop visible. Notez quelques petites choses sur une règle est moins visible et est plus sûre lorsqu'on veut tricher. Elle compte vraiment tricher. Dommage que cette idiote de Feragie n'ait pas regardé les examens lorsqu'on les avait. Enfin, au moins, elle a servi à quelque chose. Sale peste! Elles ne m'ont toujours pas remarqué. Je vais les laisser. J'ai peut-être l'occasion de leur rendre la monnaie de leur pièce. Donc, on veut tricher aux examens. Princesse ne veut pas prendre la peine de réviser comme tout le monde. Je ne vais pas me mettre à son niveau. Tout ce qui compte, c'est de récupérer ce que j'ai acheté à manger. J'ai faim! Oui, c'était mieux. J'ai passé l'âge de ce genre de bêtises. Je vais juste récupérer ce qu'elle m'a volé avant qu'elle y ait touché. Mais il va falloir que je demande de l'aide. Je ne me suis pas vengée, mais au moins cette fois, Ambre n'a pas eu son dernier mot. Je voulais faire quelque chose avant qu'elle ne vienne me voler. Ah oui, je voulais demander de l'aide. Reste à trouver quelqu'un pour m'aider. Dis Lysandre, tu ne voudrais pas m'aider à réviser? Il y a des sujets que je n'ai pas très bien compris. Je suis en train d'écrire quelque chose. Si je m'arrête, je vais perdre le fil. Reviens dans un petit moment, je devrais avoir fini. Ok, merci. Même si ce n'est pas ton truc, tu ne voudrais pas m'aider à réviser, s'il te plaît? Tu as répondu à ta question toute seule. Les révisions, très peu pour moi. J'aurais essayé. Tu peux m'aider maintenant alors? Ou tu es toujours occupée? Non, désolée. J'ai plein d'autres idées qui me sont venues en tête. Il faut les écrire avant de les oublier. Bon, d'accord, tant pis. Je ferais mieux demander à un autre garçon. Je ne trouve personne pour réviser. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne? Bah, je demandais au cas où. Prête pour les examens? Pas du tout en fait. J'aurais bien aimé réviser avec quelqu'un pour les sujets que je n'ai pas compris. J'espère que tu trouveras quelqu'un. Les messages subliminaux, c'est pas son truc. Apparemment, il est pas showtime pour nous aider non plus. Cherche pas, je t'aiderai pas. Merci Castiel. Je pense que c'est Lysandre qui va nous aider, mais il faut qu'on le retrouve. Lysandre, où es-tu? Encore désolée, mais Mélodie m'avait demandé avant. Oh, hey, ça va Mélodie. Hein. Qui nous pique les places de révision là. Avec nos 99%. On va se prendre la tête avec. Hein. Je ne trouve absolument personne pour m'aider à réviser. Tu ne voudrais pas, toi? La belle petite tenue blanche, vous pensez? Allez, on choisit la tenue. J'aimerais bien, mais le problème, c'est que j'ai déjà promis à Mélodie de réviser avec elle. Oh non, mais je voulais tellement réviser avec toi. Bon, d'accord. Mais tu écoutes bien ce que je te dis et sois sérieuse. Promis! Promis, je serai la plus sérieuse, la plus gentille, la plus douce. Nous sommes allés dans une salle de classe vide pour commencer à travailler. Comme je pouvais m'y attendre, Nathaniel est vraiment un très bon professeur. Oh mon dieu que c'est chou! J'ai fait ça bien! Elle s'est même attachée les cheveux avec des petits crayons. Beaucoup trop mignon. Pas facile de se concentrer lorsque tu es tout proche comme ça. Ouh. Côté révision, on aurait pu faire mieux. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Nathaniel était très près. Beaucoup trop près de moi. Mais ce moment aura rattrapé toutes les catastrophes de la journée. Tu es fini, tu es fin prête. Tu vas pouvoir
passer ses examens sans problème. Oui, avec un prof comme toi, c'est obligé. Merci. Nous devrions aller en salle d'examen maintenant. Ça va bientôt commencer. Oui, il faut que je trouve la salle où se passe le mien. Passons aux choses sérieuses, les examens. Prenez place, s'il vous plaît. Posez vos sacs et portables dans le fond de la salle et prenez que le strict minimum. J'ai mal au ventre. Ne retournez les sujets que lorsque on vous le dira. Monsieur Farez nous a mis les sujets retournés sur les tables. Tout le monde a son sujet? Très bien, vous pouvez commencer. Commencez les examens. Est-ce qu'on va y arriver? Quel pays a pour kimono une tenue traditionnelle? Le Japon. Qui est le dieu du soleil dans l'ancienne Égypte? Oh purée, je l'ai su ça. Bah c'est rare, les autres n'existent pas. Quel est le nom du colonel dans Cluedo? Moutarde. Combien font 3 x 6 x 2? 12 x 2, 36. En France, quand le soleil est au plus haut, quel est le point cardinal? Quel point cardinal indique-t-il? Ça, j'en ai aucune idée. Le panneau sans interdit a une forme. Ah, ronde. Durant quelle saison mange-t-on des crêpes de la chandeleur? Ah, les crêpes, c'est en hiver. Enfin, hiver, oui, bah oui. C'est début d'année, donc c'est encore en hiver. Comment s'appelle la fée dans le jeu Legend of Zelda? C'est une navie. Terminer la session de Johnny Hallyday. De Tennessee. Ambré est un adjectif. Ambré. Ambre, c'est une peste. Lol. Féminin ou masculin? Quelque chose d'ambré. Je sais pas. Je dirais masculin, mais j'hésite avec féminin. En même temps, là c'est... Enfin, il n'y a pas de terminaison féminine. Je dirais masculin. C'est quoi ces questions là? Les questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Allez, please, dites-moi que j'ai mon examen. C'est terminé, posez vos stylos. Allez. Monsieur Farez a ramassé les copies de tout le monde. Profitez bien de vos vacances et revenez en forme. Ouf, c'est fini. Je pense que ça a été finalement. Vacances! Tout le monde se dépêche de partir et court vite vers la sortie. Allez, on s'en va. Tout le monde s'en va. Le reste des élèves a défilé. Et je me suis dirigée, moi aussi, vers la sortie. Je crois que mes parents ont parlé de m'emmener quelques jours à la plage. Ça me ferait du bien. Terminé! Et bah c'était pas l'épisode le plus simple. Alors, je suis totalement perdue parce que finalement je me suis rapprochée de Nathaniel alors que je vous avoue que Lysandre je le trouve vraiment très mignon et très mystérieux. Mais il est assez dur à faire monter et maintenant que je suis énormément montée avec Castiel et Nathaniel c'est très dur. Donc il faudrait presque que je pourrisse ma relation avec eux pour pouvoir l'augmenter avec Lysandre si je veux pouvoir passer peut-être du temps à la plage avec lui ou ailleurs. Donc aidez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place parce que là je vous avoue que je suis totalement perdue mais je pense que pour les examens franchement Nathaniel c'était le meilleur choix. Ou Lysandre si on avait réussi à être plus proche mais Nathaniel c'est vrai qu'il m'a énormément aidé. Et Castiel voilà il fait toujours sa moue, il fait toujours son petit truc et depuis que je sais que Ambre est à fond dessus je vous avoue que ça me fait un petit peu peur cette histoire hein. Mais bon. En tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, moi je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.